Ces Afghans rêvent de la Grèce. Plus qu'un pays européen, il est désormais l'Eldorado pour des milliers de migrants provenant de Syrie, d'Irak, d'Afrique subsaharienne ou encore d'Afghanistan. Ici, dans le village de Bademli, ils espèrent trouver une embarcation de fortune pour échapper à la précarité et surtout à la mort. Je n'ai qu'une chance pour vivre, une chance que je ne veux pas rater. Je veux aller comme tout le monde à l'université puis obtenir un diplôme. Je veux aussi avoir ma famille à mes côtés. C'est le minimum que tout être humain devrait avoir. Après l'île de Kos, située à 4 km des côtes turques, la Mytilène commence aussi à séduire. Le week-end dernier, la police turque a arrêté 435 migrants en majorité syriens. Elle a saisi deux embarcations, deux bateaux à moteur et un grand nombre de gilets de sauvetage au cours de l'opération. Dans les îles grecques, près de 21 000 migrants sont arrivés par la mer la semaine dernière, fuyant les violences dans leur pays d'origine. De son côté, l'ONU a appelé les autorités grecques à venir en aide en urgence à ces milliers de personnes, malgré la crise économique qui ravage le pays. Une initiative pour atténuer la souffrance d'une population extrêmement vulnérable. Pour arriver ici, vous risquez de mourir 10 fois. J'ai vécu cette expérience et je sais ce que c'est. J'ai failli mourir 3 fois. D'après le Haut Commissariat pour les réfugiés, il y a eu autant d'arrivées en Grèce que sur 6 mois en 2014. Durant le mois de juillet, le nombre des migrants arrivés en Europe a triplé par rapport au même mois de l'année dernière. Il a atteint 107 500 selon Frontex, l'agence européenne chargée d'organiser la coopération des pays membres pour résoudre le problème de l'immigration.